Cette émission vous est présentée par PMU.fr. Bonjour à tous, on commence cette édition par la victoire sur le fil du PSG face à l'Olympiakos. Réduit à 10 durant une mi-temps, les Parisiens s'en sont remis au talent de buteur d'Edinson Cavani. La marque des grands titre ainsi le quotidien L'Équipe ce matin. Photo de la célébration de l'Uruguayen à l'appui. En l'absence de CR7, le Real Madrid a lui pu compter sur un Arbeloa des grands soirs. Buteur et passeur décisif, le latéral droit Merengue, souvent critiqué à Madrid, a même été ovationné par Bernabeu. A noter qu'hier soir, le Real a fait trembler les filets pour la 30e fois consécutivement en C1, un record. Dans l'autre match du groupe B, la Juventus a glané 3 points précieux face à Copenhague grâce à un triplé d'Arturo Vidal. La vieille dame se déplacera dans 2 semaines à Istanbul avec 2 points d'avance sur Galatasaray pour un match qui s'annonce d'ores et déjà explosif. Direction désormais l'Angleterre où le Daily Mirror rend hommage au succès 5-0 de Manchester United grâce à un Ryan Giggs au top de sa forme, lui qui fêtera demain ses 40 ans. Le tabloïd anglais qui confirme également l'intérêt pressant de Chelsea pour Jackson Martinez. Son agent a même rencontré hier soir à Londres un proche d'Abramovich qui souhaiterait offrir à José Mourinho une nouvelle arme offensive cet hiver. On reste en Angleterre où André Villas-Boas est plus que jamais sous pression suite à la récente humiliation de Tottenham face à City. Hier soir, AVB a en tout cas déclaré qu'il avait le soutien de ses dirigeants et de ses joueurs. La presse anglaise lui cherche elle déjà un remplaçant. Le Daily Mail avance ainsi ce matin que Luis Enrique et Michael Laudrup, respectivement coach du Celta Vigo et de Swansea, sont les deux hommes ciblés par le club londonien en cas de licenciement du portugais. Allez, on termine enfin cette revue de presse en Espagne où la presse catalane relaye ce jeudi la première bronca de Tata Martino depuis son arrivée à Barcelone. Très remonté contre ses joueurs, l'Argentin a lancé à la mi-temps du match face à l'Ajax. Toutes les équipes ont le droit de perdre, mais jamais de cette manière. Mes équipes ne sont jamais ridicules, bougez-vous. Une réprimande musclée qui n'a toutefois pas empêché le Barça de concéder sa première défaite de l'ère Martino. Réaction attendue ce dimanche à Bilbao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous sur le site et rendez-vous dès demain pour plus de gros titres et l'info fraîche.